bout du monde, les conditions de prédiction sont idéales pour voir un bon acte de en micro pour voir un acte de plus. Et on a pris ce match, bien sûr, pour suivre ce match, plein de potentiel dans votre compagnie, les Grèces, les États-Unis. C'est toujours une immense curiosité, un immense plaisir pour moi avant un match, si vous n'avez pas de blanche à remplir ensemble. Voilà les Écossaises qui vont démarrer. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Omar, c'est ça. Les Américaines. Ces derniers carrés de quasiment toutes les compétitions internationales qu'elles disputent minimum. C'est impressionnant cette domination. Et c'est vrai aussi qu'aux États-Unis, le soccer, comme on dit, c'est le sport number one chez les filles. Quel anglais, sans compter une ligue et un vivier de joueuses très important. Jetons un œil sur la compo des États-Unis. Évidemment, on s'attend à du tiki-taka, ça fait plaisir. J'aime le football ambitieux, le football enthousiaste, le football qui propose. Et avec cette équipe, vous allez être servi. Leur identité, c'est le jeu. Oui, le jeu, mais aussi la construction collective. Concilier l'urgence et la créativité, l'efficacité. Et les passes dans les pieds. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Sophia Smith. Une possibilité de la concentrer. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Et là, ça passe largement à côté du cadre. On peut frapper, pas de problème, mais il faut cadrer. Tiens là pour attaquer. Ah, et cette frappe va finir directement sur le parking du stade. L'ABC du football, le corps trop en arrière au moment de la frappe. Du coup, le ballon prend une trajectoire trop ascendante. Morgan, Sophia Smith.
plusieurs options disponibles maintenant. Les Américaines captent le ballon. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Enfin, le stade réclame une frappe. Le public a poussé pour voir cette frappe. Et le tir. Ça ne se passe pas loin du tout. Hein. Peut-être qu'en se précipitant un peu moins, le geste aurait été mieux maîtrisé. Le match se débloque. Très bonne couverture de balle. Morgan. Le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Caroline Weir. Et la passe est interceptée. Morgane. Et qui progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Une minute
contrefort. Tout est retourne et tu marques. C'est le but d'attaquant qui pique ça. Le score avec ce but, ça fait 3-1. Kusbert. Réussi, c'est
Cette atmosphère très tendue à la fin du match.